Les vacances de fin d'année commencent pour les écoliers, vacances bien méritées pour la classe de CP de Schiltigheim que nous suivons depuis la rentrée. C'est notre feuilleton, la grande école. Et ce soir, on s'intéresse aux enfants qui, à leur arrivée, ne parlaient pas un mot de français. Ils sont accompagnés et progressent très vite. On voit tout cela avec Karine Gélébard et Claire Perrault. Lecture, écriture, mathématiques. Plus 3. Les bases des apprentissages sont en cours de construction. 3. L'année de CP laisse 6. Place à la répétition. 9. Jusqu'au premier déclic que entrée. Chacun aura à son rythme. Je m'aime, je me tiens à la corde. Ah bah voilà. Je avance, avance. Pour Lina, aucune difficulté à sauter de poteau en poteau. Youpi, j'ai réussi. Réussi, bravo. L'exploit est d'avoir su expliquer ce qu'elle faisait. Les règles de la cour. Où est le en départ? En file indienne. Voilà, on se met en file indienne. En file indienne. La leçon de vocabulaire sur les règles de la cour est ce jour menée par Mihai, Karima, Lina, Ritage, Klaus. Comment on appelle ça? La cabane. La cabane. La cabane. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? Le livre. Ils ont commencé leur CP sans connaître un mot de français. J'ai deux gants. J'adore. Vous aimez moi, bien? Moi, j'ai rien. Sous la houlette de Nathalie Rito, ils en apprennent petit à petit les bases. Je les ai en petits groupes et je leur permets d'acquérir le lexique pour qu'ils puissent s'exprimer avec leurs copains, la maîtresse, comprendre les consignes de la classe surtout, hein, pour communiquer avec les autres, hein, avec les copains, avoir des copains et puis accepter, enfin être content d'aller à l'école. Hein. 4 fois par semaine, ils sont 6 à bénéficier du soutien de cette enseignante. Mais la majorité de leur temps, ils le passent avec les autres. Jacques a dit... Car l'objectif est de les inclure totalement à la classe, assis, le plus vite possible. Et à les voir ainsi, après seulement un trimestre d'école... Au niveau de l'expression, c'est encore un petit peu fragile, mais en tout cas, au niveau de la compréhension, ils ont énormément progressé. Ils sont beaucoup plus réactifs quand je leur parle. Ils sont dans l'interaction. Tout de suite, ils accrochent en fait, hein, ce qu'on leur enseigne, parce que la communication, bah, c'est vital, quoi. On a besoin de parler. Petit à petit, ils vont s'ouvrir aux autres et ils se sentent mieux. Enfin, moi, j'ai toujours, pour l'instant, hein, je croise les doigts, j'ai toujours vu qu'il y avait des progrès et qu'ils se sentaient bien. Ben, ils sont bien intégrés. Est-ce que banane est rouge? Et qu'est-ce qu'il doit faire là maintenant? On lève les ardoises. Au total, dans cette classe, 9 nationalités se côtoient. Je peux sentir les fleurs. Italien, arabe, moldave, ukrainien, turc, une dizaine de langues sont parlées à la maison. On n'a pas le temps de prendre un livre et de mettre à la poubelle. Et malgré tout... C'est ce qui fait qu'il y a un groupe classe qui fonctionne bien, il y a une solidarité. Et la langue, finalement, c'est... Bon, on apprend tous les jours et puis à la fin du CP, on verra plus de différence. Hein. Un langage commun qui s'installe tout naturellement... Bonne vacances. Surtout à l'heure de se dire au revoir. Au revoir.